meilleur au Maghreb, du grand soleil à Nouakchott, 32 degrés, 21 pour Nouadhibou sous le soleil là aussi, à Tripoli en Libye, des averses cet après-midi, 19 degrés au thermomètre, 25 pour Benghazi, il fera 27 au Caire en Égypte sous le soleil, un grand soleil également à la Mecque, 37 degrés. En Afrique, à Abidjan, des nuages aujourd'hui, 31 degrés, il fera 32 degrés à Lagos sous les nuages, Libreville avec des nuages également pour le Gabon, 31 degrés, puis à Dakar au Sénégal, 23 degrés en ce lundi 31 mars sous le soleil. Et puis on termine par l'Europe et les États-Unis. À Paris, des nuages, 21 degrés en ce lundi, 20 pour Londres, sous les nuages également, un grand soleil pour Rome, 21 degrés. Il va pleuvoir en revanche à Madrid et le thermomètre ne va enregistrer que 16 degrés. Et puis enfin à New York, il va pleuvoir uniquement ce matin, 12 degrés au thermomètre. Vous écoutez Médien et à la seconde près, je vous jure, il est 8h30, le journal Nathalie Michet. Bonjour Nathalie. Bonjour Thomas, bonjour à tous. De votre édition, Nathalie, la déroute de la gauche française après le deuxième tour des municipales. Un vote sanction contre le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et une victoire précieuse pour l'UMP qui rafle 45% des voix. François Hollande est appelé à réagir. Un remaniement imminent est attendu à Matignon. Nous serons en ligne avec Robert Buissière à Paris. Scénario antagoniste en Turquie. Là-bas, les municipales ont débouché sur une large victoire de l'AKP. L'indestructible Erdogan promet de se venger de ceux qui ont tenté de l'abattre. Le premier ministre turc qui vise désormais la présidence. Analyse à suivre de Jean-François Bayard. Dans cette édition également, la crise en Ukraine. John Kerry et Sergueï Lavrov se sont à nouveau rencontrés hier soir. Un entretien à Paris pour tenter de trouver...